Et salut tout le monde, c'est Infrinio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque nous sommes en effet en compagnie de Fuse 3. Bonjour Fuse. Non, je rigole, évidemment, ce n'est pas Fuse, ceci est un PNJ. Haha, trop drôle. Non mais, en fait, pour faire simple, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes actuellement dans une arène, une très belle arène que j'ai moi-même fait, voilà. Très sympathique et dans cette arène nous pouvons PVP des boss et le boss que j'ai premièrement créé est Fuse, donc Fusei ici présent. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment se déroule toute l'arène etc et tout ce qu'on peut modifier parce que j'ai fait beaucoup de choses, on peut modifier plein de trucs, c'est vraiment hyper bien fait, enfin franchement je suis fier de moi. Donc écoutez, premièrement, on se retrouve du coup dans la base, donc comme vous pouvez voir, la petite animation de la porte pour pouvoir passer de l'autre côté, bien sympathique. Voilà, on a une petite base, donc on a des drawers à full endium, du P4 U3 évidemment, histoire de se mettre plutôt bien pour PvP Fuse. Et dans les coffres, on a donc quelques épées, des épées Sharpness 5, Fire Aspect, Deathwinger, et du stuff pour se heal, etc. Voilà, donc on a franchement un peu tout. On a des potions, 800 potions de chaque. Donc avec ça, franchement, si vous arrivez à faire plus de 800 potions, vous en avez plus. Franchement, vous gérez. Enfin bref, tout ça pour s'équiper pour aller PVP. Et on va passer du coup au meilleur, au boss et les PNJ eux-mêmes. Donc, les boss, voilà, il y en a. J'en ai fait 5, 5 plus 4, donc j'en ai fait 9 au total, et c'est des boss très sympathiques. Donc je vais vous montrer un petit peu en détail. Le premier boss, c'est Fuse, donc ce qu'il y a écrit après, c'est 2K slash 40, c'est le nombre de points de vie sur le nombre de dégâts infligés. Donc il a 2000 points de vie et il inflige 40 dégâts. Alors comme ça vous allez dire, oui mais c'est monstrueux, 42 dégâts, ça one shot, mais pas du tout, parce qu'on rappelez-vous qu'on a quand même une armure en endium, pardon, et donc franchement, ça met quand même beaucoup moins de dégâts, ça met environ un cœur par coup, un peu plus, donc voilà. Et puis 2000 coups, ça se fait assez rapidement, genre en une minute ou deux, c'est fini. Donc voilà, donc j'ai mis les petits panneaux en dessous, donc c'est plutôt facile ce boss. On a un boss qui est correct, voilà, qui est sympa, qui est un peu difficile, mais qui se fait franchement. Donc 4000 de vie et 60 d'attaque. Et un boss difficile, puisque c'est Fuse, mais avec 5000 de vie, 60 d'attaque. Donc là, vous allez juste dire, c'est 1000 de vie en plus. Mais non, ce que j'ai modifié après dans le slash 10, ce qu'on voit, c'est que c'est sa vitesse d'attaque. Il va attaquer beaucoup plus vite et vous mettre plus de... Vous mettre des combos, en fait, tout simplement, parce qu'il faut mettre des coups à la suite et ça va être très rapide. Parce que par comparaison, celui qu'on a de l'autre côté, que je vais vous montrer, notre Fuse... il met quand même des dégâts. Il met, voilà, il a du 20 en speed. Et quand on met en 10, c'est-à-dire qu'il attaque deux fois plus rapidement l'autre PNJ. Donc, ouais, quand même. C'est chaud. Je vais vous montrer après ce que fera chaque PNJ. Et ensuite, pour terminer, un petit challenge qui est bien sympa, que j'appelle le challenge No Stick, No Heal, No Palapple, No Potion. Donc, franchement, vous y allez juste avec un stuff endium. Vous prenez une épée. Et vous prenez du coup un PNJ. Donc là, je me suis mis moi hein, quand même, parce que voilà, hein, c'est moi qui ai créé la map, etc. Donc, challenge, le premier, plutôt facile, pas facile, difficile et impossible ou tricher. Le dernier, j'ai pas du tout réussi à le battre. Après, je suis pas très très bon en PvP, mais franchement, il est vraiment vraiment chaud. Donc, je vous montrerai ça. Donc, rapidement pour les statistiques, 400 points de vie, c'est-à-dire à peu près la même vie, et 25 d'attaque. En gros, c'est-à-dire que entre moi et le PNJ, vous faites autant de dégâts. Vous faites autant de dégâts que le PNJ posé. Et donc, bah, ça, c'est plutôt équitable quand même. Ce que j'ai vu, en fait, c'est en 15 ou 14 coups exactement qu'il faut tuer le PNJ, et il vous bute en 15 ou 14 coups si vous ne faites absolument rien. Mais vous n'avez pas de heal, donc forcément, il vous tuera en 14 ou 15 coups, sauf si vous le tuez avant. Voilà. Mais, pour remédier à ça et pour mettre des niveaux de difficulté, j'ai changé la vitesse d'attaque encore une fois. Donc là, on voit 14 par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, c'était du 20. 20, c'est quand même un peu lent. Je vais vous montrer rapidement. On va se mettre en game mode 0. Voilà, et Fuse vient nous attaquer. Un coup, deux coups, trois coups. Voilà, c'est presque un coup par seconde. Donc vous avez largement le temps de vous défendre.
enfin de bien attaquer par derrière, c'est pour ça que j'ai mis plutôt simple. Mais là on est quand même à 14, donc c'est quand même un peu moins. Ensuite, on a du 11 de vitesse d'attaque, 9, et on finit par 6, c'est la moitié du premier, deux fois plus vite encore. Donc je vais vous montrer, voilà, je vais le dupliquer pour que ce soit plus simple. Hop, on va ressortir. On va supprimer Fuse temporairement. Et à la place, on va prendre ceci. Et en fait, une fois que vous avez la soul sand, la soul dans la main, vous avez juste à faire un clic droit sur le sol. Et hop, ça fait spawn le PNJ. Donc voilà, je me suis mis moi une petite armure en endium, etc. D'ailleurs, il faudra que je vous montre après ce qu'on peut gagner avec les loots de Fuse. Donc je vous montrerai ça juste après. Et comme on peut le voir ici, donc dans les statistiques mêlées, on est à 14. Et 14, voilà. Je vais vous montrer mode 0. Mais. Voilà, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide, on est à plus d'un coup par seconde. Donc c'est un défi, mais après vous voyez quand même qu'on peut le tuer assez facilement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc il faut 15 coups pour buter le PNJ, ce qui est pas énorme hein, en fait. Il faut quand même y penser. Et on se fait tuer en 14-15 coups. Donc de ce point de vue-là, c'est équivalent et c'est un challenge que j'aime beaucoup. Et que je vous conseille de faire. Voilà, passons désormais à la présentation complète de Fuse lui-même. Donc on va prendre le PNJ le plus simple. Voilà, par contre ça, je vais l'enlever, parce que sinon ça va être rapidement le bordel. On va ressortir à nouveau. Là, vous pouvez voir, pour rentrer, vous avez juste appuyé sur le bouton. Il y a un petit temps d'attente, c'est normal, c'est le temps que vous vous déplaciez devant la porte. Donc on va faire spawn Fuse. On va juste peut-être se prendre un Stick of God que j'ai oublié parce que je n'ai plus du tout de vie juste après. Mais ça ne sert à rien en fait puisque je voulais vous montrer les loots. Excusez-moi, je suis totalement perdu. C'est pas grave, allez. Donc, dans les statistiques de Fuse, encore une fois, donc je vais vous montrer 2000, il fait 40 de dégâts et il a une vitesse d'attaque qui est assez lente. Mais on peut aussi faire dropper des trucs. Le PNJ peut drop des trucs à la fin de mourir. Une fois qu'il meurt. Donc voilà. Pour des statistiques qui me semblent assez correctes, parce que c'est un boss qui est pas non plus extrêmement dur à battre pour l'instant, mais j'ai pas changé les loots pour les autres, donc vous pourrez le changer vous-même. L'épée elle-même qui est bien sympa, 16 Palladium Apple, un Stick of God Unbreaking 3, 3 pièces Endium, parce que là on n'a pas mis le casque. Parce que je ne mets pas le casque pour qu'on puisse voir sa tête quand même, parce que c'est plus sympathique. Et enfin, un petit bloc de terre qui comporte quelque chose de spécial. Je ne vous montrerai pas. Si vous voulez savoir, téléchargez la map et vous le verrez vous-même. Voilà, donc c'est la petite surprise. Et donc voilà, donc on a le petit PNJ qu'on peut battre. Encore une fois, quand on PVP, enfin, ça se fait. C'est un peu long pour lui du coup, mais franchement, ça se fait. Et si on se met... Non, je vais juste me prendre un coup de Stick of God avant. Game mode 0. Je viens m'attaquer. Voilà. Vous avez le temps de vous défendre. Et donc pour PVP, vous prenez quelques Stick of God, des potions, etc. Et c'est bien sympathique. C'était donc cette présentation de la map que j'ai créée de PVP. Avec la petite base à côté, histoire de pouvoir se stuffer. Donc écoutez. Donc écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère franchement que l'arène PVP vous plaît, parce que c'était la première présentation de quelque chose que je crée. C'est la première fois que je crée une map, et puis elle est bien sympathique, hein, voilà. Donc j'espère que cela vous plaît. Si vous voulez évidemment l'essayer, je vous mets tout dans la description. Donc dans la description, je vous mettrai un fichier compressé. Pour Minecraft, vous irez dans votre pourcentage AppData et vous irez extraire ce fichier et vous aurez du coup tous les mods ainsi que la map une fois que vous lancerez votre Palladium, oui, Palladium. Donc c'est franchement cool. Voilà. J'ai pas d'autres arguments, c'était très sympa. Donc écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Pour de prochaines vidéos, bye tout le monde.